Salut tout le monde les amis, c'est Gaius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 38 de Pokémon version Émeraude. Et aujourd'hui, on va aller attraper Groudon, le Pokémon légendaire de type Sol. Oh oh. Et pour savoir où il se trouve, il faut se rendre dans ce centre météo. Il y a le météorologue qui va nous expliquer, qui va nous montrer la localisation du Pokémon légendaire. Donc il faut aller le voir comme ceci. Lui parler, j'étudie les conditions météo dans la région de Hoenn. Nous observons actuellement une sécheresse sur la route 116, enfin quelque part dans cette zone. Très bien, donc une sécheresse. Une sécheresse, ça correspond à Groudon. Donc c'est sûr qu'on va avoir affaire à Groudon dans cet épisode. Route 116, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voler jusqu'à la route 116. Enfin, jusqu'à la ville proche de la route 116. Et on va aller l'affronter. Alors, 118, 117, 116. Bon bah on va aller là, vers Gazon. Ah cette musique, c'est vraiment une de mes préférées des villes. J'adore, elle est reposante, calmante. Oh, on a envie de s'endormir dessus. Alors, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est mon équipe. Tac, 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 tac. On va mettre Kaymorse en premier. J'ai pris Rayquaza au cas où, parce qu'il est quand même niveau 70, le petit Groudon. Donc là, il n'y a pas de sécheresse, a priori. On va devoir passer le tunnel Mérazon. Bon, allez, on court, hein. C'est pas grave, on va prendre la fuite. Les petits chuchemurs très envahissants dans cette grotte. Alors vraiment un truc de ouf. On voit que de ça. Malheureusement on n'y échappe pas. Voilà. Oui, en effet, il y a une grosse sécheresse. Alors, est-ce que c'est par là? Ouais, non, 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 c'est pas là-bas quand même. Non, mais là, c'est le... Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Il ne faut pas couper quand même. Ah, non. Non, sérieux, là. Tu as un autre sérieux, ça? Non, c'est bon. Par contre, je vois pas du tout, ça peut être route 116. Enfin, on y est, la route 116. Là, il n'y a plus de sécheresse, ouais, bien sûr. Oh, zut. Vous allez voir que ça va être... à droite. Je suis pas allé. J'en suis sûr. Ça peut être que là, parce que c'est dans une grotte. Hein. Le Pokémon, il va pas se planter en plein milieu de la route. Ouais, je m'appelle Groudon, tu vas m'affronter. Non, non, non. Il se cache dans une grotte, le vilain. Bah, c'est pas un vilain. Hein. Eh ben. Bon, allez, super repousse, ça m'a gonflé. Allez, go. Ouais, je suis sûr que c'est là-bas. J'ai pas envie de me retaper des troupeaux de chuchemurs. Non, mais je suis sûr que c'est là. À droite. Voilà, bingo, allez go. Alors, grotte Terra. Par contre, je vous le dis, le chemin est super court. Hein. Alors, il va falloir que je sauvegarde avant. Voilà, ici. Très bien, allez, sauvegarder. Allez, c'est parti. Groudon. Tu vas être à moi. Oh, j'adore cette nouvelle petite cinématique qu'ils ont rajoutée dans la version Emerald. C'est vraiment très très sympa. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va passer en grêle. Voilà pourquoi. Parce que sinon je vais me faire allumer. Ce qui est presque le cas. Ah, parce qu'il peut faire l'ensoleil
enfin en un coup, en un tour, il peut augmenter. Alors on m'a dit, non, on m'avait dit une bêtise, je crois. Hein. On m'avait dit que la que le zénith augmentait de 50% les attaques de type feu. Alors je crois que c'est une bêtise. Hein. 50%, c'est vraiment énorme. Ça sera à me redire dans les commentaires. Mais moi j'aurais dit 20%. Et bon. 50, c'est vraiment très très puissant. Voilà, là a priori, mais pas KO quoi. Ouais, ah, il m'a brûlé le traître. Non, je vais quand même me soigner de la brûlure. Ce qui est bien normalement, c'est qu'après, quand la grêle s'apaise, eh ben, il peut plus refaire. Enfin, il n'y a plus son zénith quoi qui revient. Non, tous les objets se trouvent ici a priori. Anti-brûle. Non, j'ai pas total soin. Voilà. Très bien, il a raté son attaque. Allez, on va faire laser glace. Ça va lui enlever énormément de PV. Tac, laser glace. Il fait repos, bah c'est pas plus mal. Je vais voir si je peux pas faire deux fois laser glace ou un petit coup de surf. Ça lui enlève pile la moitié quand même. On va continuer à coup de plaquage. Parce que sinon ça va pas le faire. Ouais, c'est bon, le zénith ne revient pas. On continue à plaquer Grouton. Ça lui enlève que dalle. Hein. Bah alors. Et alors que dalle. Allez, paralyse-le. Bingo! Allez, encore un ou deux coups, sauf s'il fait repos. Ah, le traître. Oh, il exagère. Oh, qu'il exagère. Allez, surtout pas de coups critiques, on va tenter surf. Pour l'instant, on est dans la phase affaiblissement de l'adversaire. Voilà, après on verra pour quand on lancera des Pokéballs, mais là pour le moment on n'a pas trop le choix. Voilà, c'est pas trop mal. Allez, on va lui lancer une hyperbole, c'est parti. Hop là, hyperbole. Allez, 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 Groudon, je crois en toi. Ah, dommage. Il est déjà plus coopératif que comment il s'appelle, que Regice. Non, parce que Regice, je l'ai recommencé 40 fois, hein, le match. Bon, on continue. Enfin, on continue. Ça veut rien dire, mais on continue. On va encore faire surf deux fois. Mais déjà qu'il est tourné deux fois, ça me fait plaisir. Parce que je me dis qu'il sera pas si dur que ça à attraper. Voilà, toujours pas de coup critique, c'est nickel. Allez, on refait Hyperbole. Me dis pas qu'il a que. Il a que des repos là quand même. Bon, c'est pas... Allez, fais un petit dodo encore. Ah. Déflagration, moi je suis KO. Quoique, non, je suis pas KO. Non, la Grêle, ça va le tuer. J'ai pas un Pokémon qui fait quelque chose de pas trop mal là. Non, non. Lui, il a repos. Super. Non, que dalle là. Bon, bah allez, hyperbole. Hein. Y a plus que ça à faire. Ok, lance-soleil, il va faire. Il va crever. Il va crever, il va crever. Ah, tant pis, il a qu'à crever. Allez, 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 allez. Ah, dommage, dommage. C'est pas grave, il est KO, mais on va. Pour l'instant, il s'est pas reposé, il a pas repris ses PV. Donc, on va amener Rayquaza. Au moins, on va s'assurer de ne pas être
réellement touché, qui est vraiment stylé Rayquaza dans cette version. Mais alors, je crois que c'est la version où il est le plus beau. Je sais que dans Diamant, mais il avait fait moche dans Diamant et Perle. Ah non, 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 Groudon, me fais pas ça. Oh non. Là, allez, au bout de 10 minutes, là, ça aurait été cool. Oh, il me le fait deux fois d'affilée. Ah non, mais il abuse, là. Ah non, il abuse, je suis désolé. Ah non, 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 je suis désolé, là, Groudon. Là, tu exagères, voilà. Tu pousses un peu le bouchon trop loin. Ouais, d'accord. Mais ça va, franchement, il me paraît pas si dur à attraper. Hein. Non, 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 je pense que d'ici 2-3 minutes, il sera à moi. Sans prétention, bien sûr. Ouf, bah ouais, de toute façon, je suis vol. Je crois qu'il... Ouais, il est vol et dragon. Rayquaza. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Tu rayonnes de nouveau? Ok, allez hop, hyperbole. J'ai vraiment que ça à faire. Et là, rien à faire. Dans Soleil, cette attaque, je l'ai découverte quand il y avait Florizarre. Donc c'était dans les premières versions. Sur la carte Pokémon, il me semble, je dis bien il me semble, que sur le Florizarre de la première carte de Florizarre qui est sortie, eh ben il avait le lance-soleil. Et ça se voyait en fait qu'il pouvait lancer un soleil, puisque sur son bulbe, qui avait vraiment grandi depuis le bulbe bizarre, ben, on voyait qu'il allait lancer le soleil quoi. Et quand j'entends le lance-soleil, ben, ça me fait toujours penser à j'ai toujours cette image dans ma tête de Florizarre, de la carte. Que cette carte, j'ai toujours voulu avoir cette carte, c'est fou. J'avais eu Dracaufeu quand j'étais petit, 120 PV et tout. Tortank c'est pareil, je l'avais eu. Mais alors Florizarre, et il y avait une fille dans mon école primaire qui avait ce Florizarre. Et elle avait aussi Roucarnage que j'avais jamais eu. Je disais allez vas-y échange de moi. Non rien à faire, vous voulez garder. La méchante. Ah là là. Mais là j'aimerais bien qu'elle regarde mes vidéos et qu'elle dise ouais c'est moi. Mais alors là ce serait vraiment la dernière personne qui regarderait mes vidéos. Et en plus je l'ai plus vu depuis le CM2. Donc c'est mort. Bon allez Groudon, là elle est haut. Ça a été coopératif pendant 2 tours. Bah tu es pas rentré dedans, c'était pas très cool. Allez une Honor Ball, allez. Je te fais l'honneur de rentrer dans une Honor Ball. Non, il veut pas. Allez, je retente, je m'en fiche. De toute façon je peux en racheter des Honor Ball. Ouais non, j'en étais sûr. Ça lui plaît pas du tout. Bon, le truc, c'est qu'il a 5 lance-soleil, a priori. 5 déflagrations. Repos, il en a 10, je crois. Et qu'est-ce qu'il lui reste d'autre? Ah oui, et abîme. Non, j'ai déjà dit. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Il a quoi comme attaque, déjà? Il a lance-soleil, abîme. Repos. Je sais plus. Je sais plus. Non. Oh oui. Oh oui, c'était vraiment le moment où je voulais qu'il se fasse attraper, sérieux. Je commençais, vous voyez, il y avait un petit niveau de j'en ai marre. Vous voyez, j'étais prêt à l'atteindre. Groudon apparaît dans la mythologie comme le créateur de la Terre. Il dort dans le magma souterrain et créerait des éruptions volcaniques en se réveillant. Eh ben génial, on a capturé Groudon. Bon, on va sortir de cette grotte. Sain et sauf. Groudon ne mettra plus la sécheresse dans ce monde de Hoenn. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 38e Le Soleil Brille Moins Fort. Voilà. Merci d'avoir suivi ce 38e épisode de Pokémon version Émeraude. On se dit à la prochaine pour l'épisode 39 où on ira
où on se rendra sur l'île lointaine pour rencontrer un petit Pokémon tout mystérieux d'ailleurs, un de mes Pokémon préférés. Bah, je ne vous dirai pas lequel c'est. Allez, bye tout le monde, les amis!